Bonjour YouTube! Comme vous le savez, le van est terminé, mais il y a beaucoup de choses qu'on vous a pas montrées entre-temps, comme notre emménagement dans le van, on lui a fait aussi une petite crémaillère parce qu'il mérite une crémaillère quand même. Bref, plein de petits moments de vie qu'on a un peu filmés et je me suis dit que ce serait le moment de, voilà, de faire un petit récap dans une vidéo, histoire que ces vidéos servent. Déjà, petit bond dans le temps, une fois qu'on avait à peu près tout fini dans le van, on a dû faire un gros ménage, que ce soit dans la maison de son papa qu'on a bien squatté ou dans le van parce que vraiment il y en avait de partout. Je crois qu'on n'a jamais été aussi content de faire du rangement et du ménage parce que ça signifiait la fin du projet et la fin du bricolage matin, midi et soir. Donc en vrai, ça fait trop plaisir. Et à la suite de ça, on a organisé du coup une petite crémaillère en l'honneur de Gigil. Je vous laisse avec ça. Allez, mais c'est bon. pas pareil en vrai. Ah oui, les règles et tout. Hein. Alors, on enlève les chaussures. et on s'appuie pas sur la table. Okay. Bon, on fait pas en mode comme ça un gros bourrin. Et on critique pas. Et on ne critique pas, c'est ça. On me fait un conseil, un compliment toutes les deux secondes. Voilà. Et si vous essayez, vous allez retoucher. Si vous essayez d'ouvrir quelque chose, de fermer. Faut demander chose. Si ça marche pas. Ne forcez pas. Il y a une raison. Ah oui. C'est qu'il faut appuyer sur quelque chose. On dirait direct dans les CQ. Il y a une raison, ne forcez pas. Voilà, c'est tout. Oh, quel mieux escape game. Et si vous êtes perdu. Vous suivez la flèche sortie. Pour la performance, surpris. Hein. Bah, qui veut. Moi, j'ouvre comme ça. Hein. Faut qu'on y aille à tour de rôle. D'ouvre et tu fais ta main. Ouais. Wow. 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 Ah, wow. Ah oui, faut enlever les chaussures. Ah oui, bah oui. Enlever les chaussures. C'est tout cool. Oh, madame. C'est trop cool. J'ai jamais vu aussi propre. Il y a 2 heures de la grande bleue. Ça pousse. C'est dégueulasse. Là, c'est le moment de faire une blague, Alex. Ouvre le robinet. Allez, non, vas-y. Non, mais celui de la douche. Ah, celui de la douche. Bon, ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Après notre petite crémaillère, on a donc préparé le déménagement pour passer du Finistère à la Charente. Donc c'est vraiment le bordel et des affaires de partout, les planches elles sont à des endroits vraiment, ça ne va pas rester comme ça évidemment. Mais c'est juste le temps de faire le trajet et après on va tout bien réorganiser. Trop mignon. Mais c'est la bancale. Hein. Bah, est-ce que tu vas être comme ça encore? Tu me la passes? Ah mais je suis con, c'est de l'autre côté. Vers là et tu me mets vers le haut. Quoi. C'est bon, j'ai. C'est ça? Bah, l'avant vers l'avant. Quoi. Ouais. Wigo. Peut-être les inverser. Ah, la carrosserie? Eh ben non! C'est protégé. J'ai perdu un gant, j'ai failli me péter la gueule. Ah bah faudra pas rouler à 200, ça c'est sûr. On va jamais rouler à 200. C'est juste que je veux pas trop serrer pour pas abîmer les planches quoi. Ça bougera pas. Hein. Elle est bien la cuisine. T'as vu, elle est bien. Ah, c'est chouette ça. Le plafond, il est beau. Hein. Ah ouais, cool, le plafond, c'est ouais, vraiment beau. Hein. Là, j'avais vu le plafond. Vraiment classe. Hein. Et Yann, j'aimerais bien un mur comme ça. Ça doit être beau. Ah, la télé est bien et tout. Ça, c'est pour poser vos portables. Ouais. Oh là. On l'a installé tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait lumière et les chargeurs, en fait. Papa, casse pas tout. C'est le même que... C'est les deux côtés. Ah. Et là, vous pourrez mettre des trucs. Ouais, genre des plantes. Là, ça filme. Ça, c'est pour le charger, ça, c'est le chauffage. Superbe. Police! Bonjour! Police, écartez-vous, monsieur de... Oh! J'avais le pied derrière. Je me suis enculé le cul. Bon, je sais pas fermer votre truc. Ouais, je sais pas. Dur, hein. Je suis content de vous voir, rien à foutre. Ça va, Mamadou? Oh, c'est méga satisfaisant. Ah, t'es vénère! C'est quoi ça? Vous avez mis une alarme ou quoi? Il y a deux détecteurs de. Il y a fumée, CO2, gaz. Il y a fumée. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé, il va falloir vraiment emménager dans ce van, donc un peu tout organiser et vraiment poser nos affaires pour pouvoir partir. Donc on a commencé un peu par organiser la cuisine en mode on met le salé d'un côté, le sucré, on essaye de faire un tiroir à épices.
Enfin, essaye de s'organiser pour que ce soit pratique pour nous et que tout loge, parce que c'est des petits placards, des petits tiroirs, enfin tout étant tout petit. Et ensuite, une grosse partie de l'orgas, ça se trouvait dans le garage. Fallait réussir à tout bien organiser pour que ce soit pratique, que ça bouge pas. Enfin voilà, il y avait du taf et comme vous pouvez le voir, il y en avait des choses à mettre là-dedans. Donc on a essayé de s'organiser un peu comme on pouvait. Donc grâce à des tendeurs, on a pu accrocher des choses au lit. Grâce à des sangles, on a pu fixer certains éléments. Et pour que ce soit pratique et que ça bouge pas, on a aussi mis des caisses. Donc par exemple, on a fait une caisse à outils, une caisse pour le surf. Comme vous pouvez voir, il y a le paddle qui est roulé dans un petit coin. Enfin voilà. On a essayé vraiment de tout fixer pour que ça bouge pas et que ce soit pratique pour nous au quotidien. Et franchement, pour l'instant, c'est pas trop mal. On est plutôt content du résultat. Et donc, tout ce qu'il y avait dans ma chambre, comme vous pouvez le voir, a été mis dans le camion. Ça signifie que le déménagement est terminé et que nous sommes prêts à partir. Bon, avant, il fallait que je dise au revoir à mon chat et ça, c'était un peu triste, mais bon. Trop mignon. Arrête avec ton jeu. Il est dehors. Il ne veut pas. Dehors. On le prend. On le prend avec nous. Non. Allez, mon petit chat. Non, mon petit chat. Et la dernière chose qu'on a faite avant de partir, c'est qu'on a vraiment bien nettoyé le camion, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, histoire de partir sur une base saine et qu'il soit beau, tu vois. Comme ça, on le voit sur les routes, il shine, il est vraiment au max du max. Et sinon, pendant qu'on nettoie, je vais quand même vous dire où on va, parce que là, je raconte ma vie, mais on comprend rien. En gros, première étape, on va aller au Pays Basque, voir des copains, on a un anniversaire, tout ça, et c'est le lieu où on a fait nos études, donc on a beaucoup de copains là-bas. Ensuite, on a été à Marseille, pareil, pour voir d'autres copains. Ensuite, à Toulouse, pour encore aller voir d'autres copains. Et après, on a dû revenir en Charente, parce qu'on avait l'homologation, tout ça. Si vous avez déjà vu la vidéo, de toute façon, il y a déjà eu des débriefs là-dessus, donc vous savez comment ça s'est passé. Tout ça pour dire que la prochaine vidéo, ce sera un peu la première vidéo où on voyage avec le van, on le teste. Voilà, on a fait quand même des belles images de paysages et tout, c'est sympa, mais comme on s'est pas encore vlogué, ce sera peut-être un peu le bordel. Mais c'est pas grave, écoutez, ça fera un vlog test, et puis il faut bien commencer quelque part, donc on verra bien. Mais on va quand même essayer de s'appliquer. Allez, bisous.